plein de cul, tête de morue. Hein? J'en ai plein de cul, face de macaque, couille molle poilue. Pour passer aux arbis. J'en peux plus. J'en suis en train de virer fou. Oh, j'en ai plein de cul. Il semble avoir un sale tempérament, votre petit copain. Oh, grosse face de morue, j'en ai plein de cul. Oh. Faut pas exagérer, c'est le spectre le plus mignon que j'ai vu jusqu'à présent. Ah, moi, je le trouve pas mignon, pas en tout. Puis je suis incapable de m'en débarrasser. Oh, j'en ai plein de cul. Bon, racontez-nous depuis quand vous êtes hanté par cette volaille mal engueulée. Ça a commencé la première nuit que j'ai passé ici. C'est une maison qui appartient à ma famille depuis des générations. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui l'a construit. La célèbre pirate de la Nouvelle-France, Black Bart. Ah, ben oui, le perroquet sur son épaule, c'est lui? Je vous présente le fidèle compagnon de mon ancêtre, Luigi. Oh, j'en ai plein de cul! Marie d'eau douce, face de patate, j'en ai plein de cul! Oh! Il est entré dans le tableau! Ouais, il fait souvent ça après m'avoir traité de tous les noms. Grosse nouille ramollie, bourricot attardé, crétin de cornichon de connard d'enfoiré d'abruti! Oh, j'en ai plein de cul! Ah, ça suffit, ça me fait! Un coffre? Par les poils de fesses d'Anubis, je crois que votre ectoplasme emplumé essayait de vous indiquer l'emplacement de ce coffre depuis tout ce temps. Regardez, le mécanisme demande une combinaison de 10 lettres. Avez-vous une idée? Non. Faites un petit effort, concentrez-vous! Vous l'avez? Non. Attendez, j'ai peut-être une idée. Plein le cul. Bien sûr, plein le cul! Une queue. Tu vois, Benjamin, à force de me côtoyer, tu es devenu un vrai génie. Mais qu'est-ce que c'est ça encore? Ça semble être la source de votre spectre à plumes. Oh, j'ai une couille molle, attendez! J'en ai plein le cul! Oh! Puis si on détruit la source, est-ce que le spectre disparaît? Habituellement, oui. Oh, ben toi, mon coco, t'as fini de m'emmerder! Un instant. Vous permettez que je vérifie un petit truc avant? Oh! Je crois que mon intuition était bonne. Oh! Une carte au trésor! Je sais c'est où c'est là! C'est juste à côté d'ici! Messieurs! Le trésor de Black Bart nous attend! J'en ai plus le cul! Répète après moi. Bonjour, je m'appelle Luigi. Ah, mouton! Poubelle de vomi! Non! Bonjour, je m'appelle Luigi. Ah, face de salami! Grosse face de coquerelle bouffie! Ah, oublie ça! Ça sert à rien! Vous pourrez pas effacer une vie entière de grossièreté dans sa petite cervelle d'oiseau! Tête de gland boutonneux! Parlez-nous un peu de ce fameux Black Bart! Ah, c'était un vrai pirate, là, un vrai de vrai, là. Il aimait beaucoup voler, brûler les bateaux, couper le monde à rondelles. Mais à part ça, il paraît que c'était un maudit bon gars. Ouais. T'sais, genre de gars qui aime bien gros sa job, là, t'sais, un gars fiable, là. Il a terrorisé les navires de la Nouvelle-France pendant longtemps, jusqu'au jour où il a complètement disparu, sans laisser aucune trace. Eh bien, c'est peut-être aujourd'hui que nous allons élucider ce mystère. Terre droit devant! J'en ai plein de cul!
Wow! Le navire perdu de Black Bart! Debout, train de savate! Mais là, debout, debout! J'en ai plein de cul! Luigi! Que je suis heureux de revoir ta seule gueule d'emplumée attardée! Dans mes bras, sale volaille malodorante! J'en ai plein de cul! Vieille face de crapaud poilu! Ah! Et vous êtes qui, vous trois? Vous êtes venus voler mon trésor? Espèce de crapule gangrénée! Je vais tous vous suspendre par les couilles au grand mât! Verminés, fête de fond de gueule! Non, je suis votre petit-fils! J'ai pu me retrouver grâce à ces messieurs, puis la carte que vous avez cachée dans le cul de Luigi! Ah oui, je me souviens! C'était pas mal comme idée! Vraiment désolé, capitaine. Un terrible accident est arrivé à votre pauvre Luigi. Un coup de vent l'a emporté, puis est allé se fracasser le coco sur le grand mât, puis ben, il est mort. Non! Luigi! C'est en pleurant, mon fidèle ami, que j'ai eu cette excellente idée. Car j'avais le pressentiment qu'il y avait quelque chose de louche derrière cette histoire. Ce crétin de perroquet attardé ne pouvait pas mourir aussi bêtement, quand même! C'est beaucoup plus tard que j'ai compris que Luigi avait démasqué une ordure de pourriture de sale traite de merde dans mon équipage! Mon second, Marius. Mon cher capitaine, la seule chose qu'on va enterrer sur ton îlot secret, ce sera ton cadavre. Père gluante de gibier de potence m'a bien eu! Et l'a chèrement payé. Wow, c'est bien triste ton histoire! Allez, souriez, jeune homme! Maintenant, ce fabuleux trésor vous appartient! Un instant! Personne ne touche à mon trésor! Ton trésor? Oui! Mon trésor! C'est mon trésor! Oh, merde! Le fantôme de Marius a pris possession de Benjamin! Allemand de combat, Moussaillon! On a une charogne à renvoyer en enfer! Si c'est Black Bart et son descendant, ils vont disparaître à jamais! Non, Marius. Hein? C'est ton trésor qui est sur le point de disparaître à jamais. Non! Mon trésor! Non! Mon trésor! Benjamin, concentre-toi et laisse aller ce satané coffre! Mon trésor, non! Débarras, face de rat! Mais le trésor! Ce trésor maudit a provoqué assez de calamités. Mieux vaut l'oublier. Bien dit, vieux crapaud. La famille, y'a que ça d'important. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller hanter le manoir avec Luigi pour rester près de toi, ma petite couille molle. Qu'en dis-tu? Oh, j'en ai plein le cul, tête de morue! Oh boy! J'ai ramassé ça tantôt, on devrait-tu... Mets ça dans ta poche! Chut!